Bon alors du coup tout simplement on se retrouve pour l'épisode 2 de Kingdom Rush. Alors on va tout de suite partir au combat. On n'a pas, pas le temps hein. Non mais autant Alors ok, je débloque le niveau 2 de mes tours. En fait ça te permet d'améliorer les tours au niveau 2. Ici il y a le tech du désert x20. Donc clairement on va mettre un bombardier. En fait ça c'est une petite technique. Si vous connaissez pas en fait ça permet. On va mettre des troupes ici. Comme ça, quand ils vont arriver, vous allez voir, ça va être très très rapide. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Ça nous permet, ils vont tous se regrouper au centre ici, là. Et du coup, la bombarde va pouvoir tirer dessus, le mage aussi. Et ici, on pourrait même rajouter éventuellement une tour de mage, parce que c'est un des meilleurs trucs, je trouve. Et on va améliorer notre bombarde dès qu'on le pourra. Tout simplement parce que c'est la meilleure défense. A et ça permet de temporiser les troupes et on peut voir ici par exemple que hop plusieurs troupes prennent des dégâts, ce qui permet de d'aller plus vite. Donc pour le niveau 2 je pense ne pas avoir trop de problèmes au niveau de définition ici. Ah, les troupes vont arriver ici. 30 tucks du désert, ça risque de faire très mal, mais on va augmenter notre bombarde afin de pouvoir s'en occuper tranquillement. On peut même augmenter la puissance avec deux nouvelles recrues. Augmenter la puissance, en fait ça augmente, donc là on est passé de 20 à 40, donc sur un truc de base on est de 8 à 15, donc on a plus que doublé les performances. C'est pas mal, c'est pas mal. Faut toujours augmenter ce qu'on peut, et en plus on a une petite aide de la tour de la légion. En fait ce sont des alliés qui nous aident à combattre. Ensuite ce qu'il faut augmenter c'est ça, pour augmenter la résistance de nos soldats, ce qui est très important. Que nos soldats c'est c'est pareil, c'est le centre ici, parce que si les soldats meurent, bah, tout le reste est. Wow. Ok, tout le reste est compromis. On va les augmenter, comme ça, ça permettrait qu'ils soient plus résistants aussi, et puis qu'ils fassent plus de dégâts, donc pouvoir réduire les troupes à zéro plus rapidement. Donc là, on va. Là, il y a des Desert Tug et des Dawn Riders, et en bas, il n'y a que des Desert Tug. Okay. Très bien. Si on peut augmenter quelque chose pour l'instant, j'augmentais la tour de sorcier, un tour d'adepte, ce qui permettra de doubler les dégâts de la tour, ce qui peut être très intéressant. Doubler les dégâts d'une tour, c'est jamais. Faut toujours le faire en fait, parce que plus il fait de dégâts, plus c'est intéressant. Donc là, on va augmenter, ça peut permettre de faire des trucs plutôt bien. Regardez comment il prend beaucoup plus cher que par rapport à lui, c'est normal en fait. Un coup de lui est égal à deux coups de lui, du coup il n'est pas photo hein. Ok, donc là par contre on va gérer ça. Et de toute façon, ne pas oublier qu'on a notre héros, qu'on va d'ailleurs rapatrier ici, le héros, ne pas oublier qu'on peut le mettre sur toute la carte. Ok, donc là on a des démons des sables. Ils sont très rapides et ils peuvent esquiver les coups. C'est ça le truc, mais par contre ils ont aucun PV, ça c'est très cool. Enfin, c'est très cool, voilà quoi, ils sont pas cool du tout en, de base, mais c'est bien qu'ils aient pas de PV. Voyez comment ils se font one shotter par cette tour, c'est plutôt bon. Et ils ne font pas beaucoup de dégâts, par contre ils sont énormément et ça ça peut faire très mal. Sinon au niveau des graphismes je trouve que c'est beaucoup, c'est plutôt pas mal. On peut voir que c'est très détaillé, les cartes sont vraiment pas mal, mais on va directement enchaîner avec la vague d'après, parce que je n'ai aucune raison de ne pas le faire. Pour l'instant on se débrouille pas trop mal, on n'a pas pris de trop de dégâts, mais ce sont les premiers niveaux et il faut jamais se fier au premier niveau mais plus au dernier. Et par contre j'ai pas intérêt à faire passer quoi que ce soit, parce que si quoi que ce soit passe, j'ai perdu. Je propose d'envoyer un petit coup de météorite ici pour affaiblir et c'est tout. Du coup là, ça s'occupe tranquillement, on va rajouter un peu, on va envoyer. Ok, j'ai réussi un truc, j'ai appelé 10 vagues en avance, c'est plutôt cool, ça sert à rien, mais c'est toujours un truc de fait. Alors ensuite, voilà, voilà, donc plus vite, on va dire. J'ai entendu, hein. C'est bon, j'ai entendu. Allez plus vite.
Traitez-moi tout ça. Ouh, il faut pas que ça passe si. Ouh, là, il y a des troupeaux. Ça peut être pas mal. Regardez la bombarde qui peut faire très mal à ses attroupements. On va dire. On va tout de suite lancer les vagues. Ouh, attendez, j'ai trouvé un truc. Oh, ça se risque de temps. Oh, je prends le char. Je prends le char. 8. Oh, yes, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ici, on va mettre ça pour arrêter un peu les troupes. Et on va mettre une tour de mage en soutien. Par contre, du coup, je vais devoir mettre ça ici pour être en raccord avec la tour de mage et la tour d'archer. Comme ça, là, je pense que ça peut plutôt pas mal. Et vous voyez, en fait, quand j'appelle plus rapidement, ça économise du temps sur la boule de feu et sur les renforcements. Ça peut être très intéressant si on a besoin de la boule de feu rapidement, d'appeler une vague plus vite pour profiter de la boule de feu. J'ai remarqué aussi qu'il nous envoie plutôt des grosses troupes actuellement et qu'il va falloir que je les défende. Ça risque d'être une autre histoire. On peut s'envoyer ici, comme ça, hop, boum boum boum, level up héros. Ok, j'ai mon héros qui est augmenté au niveau 2. Les héros augmentent leur niveau lorsqu'ils font du combat. Ah oui, je connais le jeu, j'ai déjà joué. J'ai jamais fini cette partie, mais j'ai déjà fini le classique. Donc, je m'y connais plutôt bien. Et justement, c'est l'intérêt, c'est que je pourrais vous apprendre des trucs plus facilement. Donc là, on a fini la vague 8. Pour l'instant, les premiers et deuxièmes épisodes sont plutôt relativement simples. Tant mieux. Parce que j'ai pas envie de m'attarder sur des niveaux. Et comme j'ai déjà dit, oh, mon héros a augmenté. Ok, ça c'est le seul héros que j'ai. Les autres coûtent tout simplement. Alors, est-ce que j'en prendrais? Suivant les prix à 99 centimes, ça peut passer. Mais à 7 pour celui-là, je pense que je ne le prendrai pas. Alors peut-être pour les besoins de la vidéo, on verra, on verra, on verra. Là, je peux augmenter, je vais augmenter tout simplement. J'ai 3 petits points. Je peux augmenter ça, donc ses dégâts par 2, je vais augmenter. Son armure par. J'ai augmenté son armure et j'ai augmenté ses points de vie. C'est parfait. Et ici, on peut augmenter ça, donc ici. Alors là, qu'est-ce que c'est? Ok, donc ça peut être pas mal. Ça permet de réduire la construction des tours d'archer. Ça peut être pas mal, on va prendre ça. Et ça permet de réduire le compteur de 5 secondes. Donc je vais prendre tout ça et on a 167 gemmes avec lequel on peut acheter des trucs. On peut acheter des free gems. 18 000 gemmes pour avoir un coffre de gemmes, mais en soi ça ne sert à rien parce que 18 000 gemmes on fait pas grand-chose. Et ça, c'est vraiment pratique, ça permet d'acheter différents trucs, on verra ça au prochain épisode. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce dans la vidéo. En tout cas, moi, je fais ça, donc tant que ça me plaît, je continue. Adieu.